Bonjour, bienvenue à une version solo de Clank. Dans ce jeu, vous allez avoir besoin de l'application pour la version solo de Clank qui se télécharge facilement sur la version Android ou de iPhone. Puis, pour le jeu, c'est très simple, il y a quelques petites différences au niveau du placement. Premièrement, au lieu d'avoir deux jetons pour les petits secrets par emplacement, vous n'allez avoir qu'un seul jeton. Ce qui va vous laisser une pile de 9 comme ceci que vous allez garder de côté. Après ça, pour le départ, vous allez commencer avec 3 jetons de votre couleur, mais également 3 jetons d'une autre couleur déjà sur le drapeau. Vous allez donc avoir 2 lignes de temps à gérer au niveau, premièrement, des dégâts que vous allez recevoir, mais également au niveau du temps que vous allez perdre dans le donjon. Puis dans les deux cas, arriver à 10, c'est jamais bon. Pour l'application, vous allez l'avoir ici avec René. On choisit Clank. Le jeu de base et le mode solo. On choisit sa couleur. Parfait. Le jaune. Ça nous dit de retirer les jetons 20 et 5. Donc, nous allons retirer de cette partie les jetons 20 et le jeton de 5. On appuie sur OK. Ça nous dit après ça, ce qu'on vient d'expliquer, que c'est une seule fois pour les jetons mineurs. Nous allons placer le dragon sur le 2. Voilà. Sur le 2, comme ceci. Puis, on dit que le joueur rouge, comme j'expliquais tantôt, commence déjà avec 3 jetons. Il nous explique évidemment qu'à chaque fois, on va avoir des missions à compléter. Si jamais on arrive à un moment donné où une des deux lignes atteint le 10, il va falloir cliquer ici. Si on complète la mission, on clique là. Sinon, à la fin du tour, on clique là. Parfait. Et on commence. Ça dit qu'ici que la première quest va être d'acheter un mercenaire et que nous avons 2 tours pour compléter la quest. Parfait. Très bien. Et voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Nos 5 cartes. Mais premièrement, c'est très simple. On va avoir un déplacement et 4 de pouvoir d'achat. Je me déplace. Avec mon 4 de pouvoir d'achat, je vais être intéressé à récupérer cette carte. Ainsi que justement, on va en profiter tout de suite pour compléter la quête. On va acheter tout de suite un mercenaire. Donc, nous allons pouvoir indiquer que la quest est complétée. Et hop! Tiens, pour ce tour, nous avons plus 1 de pouvoir d'achat. Puis, ici, fin du tour. On appuie sur fin du tour. Ça dit qu'on va malheureusement... Premièrement, ça dit ici qu'on doit retirer la 3e carte. Et que... Nous rajoutons 3 jetons de rouge ici pour le bruit. Et à la fin du tour, il va falloir compléter les cartes manquantes. Excellent. On appuie sur OK. Et la prochaine quest dit qu'il faut combattre un monstre qui n'est pas un gobelin. Pour le moment, malheureusement pour nous autres, on n'a pas de monstre en jeu. Je vais piger les 5 prochaines cartes. Sans surprise, nous allons avoir 2 jetons de bruit. Un déplacement et 3 de pouvoir d'achat. Donc, je rajoute mes 2 jetons de bruit. J'ai 1 de déplacement. Et avec mon pouvoir d'achat de 3... Je vais me prendre cette carte-là ici. Et voilà, fin du tour. Je vais devoir mélanger mon paquet. Et malheureusement, la quest n'est pas terminée. On va faire prochain tour. C'est dit ici qu'il faut retirer la première carte.
que je subis un de dommage. Ça va pas bien, mon affaire. Nous allons compléter les cartes manquantes. Toujours pas de monstre. On appuie sur le OK. Et on passe au prochain tour. Fait qu'il me reste un dernier tour pour combattre un monstre, ce qui sera malheureusement pas possible. Je vais tirer mes 5 cartes. Nous avons deux bruits supplémentaires. Un de déplacement et trois de mouvement. Bon, ben, mon déplacement, je vais aller par ici. Et mon 3 de pouvoir d'achat. Ça peut être intéressant. Ouais, je vais prendre le maître cambrioleur qui va me permettre de retirer une de ces cartes de mon paquet pour rajouter celle-ci en plus de valoir 2 points à la fin de la partie. Nous allons faire prochain tour et malheureusement, nous allons devoir rajouter 2 de bruit parce que malheureusement, on n'a pas été capable de faire la quête. Et ça me dit de retirer les cartes 1 et 5. Fin du tour, on complète. Malheureusement, il va y avoir une attaque du dragon. Et il y a beaucoup, malheureusement pour nous autres, beaucoup de bruits qui ont été faits dernièrement. Et nous devons en tirer 3. Nous sommes chanceux. 3 noirs. Nouvelle quête. Bouger, générer 3 de déplacement dans un seul tour. Tirer 5 cartes. Et voilà, la quest va déjà être complétée. Nous avons justement 3 de mouvement, 4 de pouvoir d'achat et 2 petites épées. Donc, ben écoutez, on va prendre 2, récupérer ce jeton, 3 et 4. On va affronter 2 monstres, ça tombe bien, nous avons les 2 petites épées. Nous allons gagner un totem qui vaut 5 points et notre pouvoir d'achat maintenant est de 6. Ouais. Quatre, ça pourrait être intéressant, ça. OK. On va aller chercher cette carte-là, qui vaut quand même 2 points en fin de partie, qui me permet de tirer 2 cartes. Et voilà. Ici, la quest étant complétée. Parfait. Ça me dit que je peux retirer 3 de bruit. Malheureusement, il ne me reste plus aucun jeton de bruit. Oh! Et nous allons subir une attaque de dragon. On tire donc 3 cubes, 1, 2, donc on est rendu à 2 autres, et un autre. Et pareil, ça va pas bien mon affaire. Ok, je dois trouver une potion secrète. On a 5 tours pour y arriver. Premièrement, on va tirer nos cartes. 1, 2, 3. Il nous en manque 2.
Nous avons ici 4 de déplacement et 3 de pouvoir d'achat. Je peux retirer 2 bruits, mais j'en ai pas. Et je n'ai pas de compagnon. Donc 4 et 3. 1, 2, 3, 4. Excellent. On va donc faire 1, 2, récupérer le jeton qui est là, qui est une potion, super. 3, 4, et récupérer un autre totem. C'est un très, très bon coup, celui-ci. Avec 3 pouvoirs d'achat, on pourrait se déplacer encore. Mais je vais préférer aller me chercher la petite dame pour 3. Excellent. Fin du tour. Quest, elle est complétée. Oh, on obtient un déplacement supplémentaire. Parfait, j'en profite pour aller là. Et je vais attendre. Prochain tour. Encore une attaque du dragon. OK. Faut se dépêcher à sortir de là. Donc, nouveau défi, c'est d'aller chercher la deuxième carte qui est ici. Donc, ça va nous prendre des épées pour y arriver. Nous avons 3 tours. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, quand ça va pas bien, 2 jetons bruit qu'on rajoute. Nous en profiter pour prendre ça ici, ce qui va faire monter le dragon. Nous avons 1 de déplacement. Nous allons nous déplacer ici. Et avec 4 de pouvoir d'achat. Oui, on va rajouter cette carte et surtout que je viens de me rendre compte qu'à chaque fois que j'ai pigé, j'ai oublié le danger qui était là, qui rajoutait un dé. Donc, à ma mémoire, je crois que nous avons tiré 1, 2, 3, 4 fois. Donc, il me rajouterait 4 dés supplémentaires qu'il faut que je sorte. 1, 2, 3 et 4. Petit oubli de ma part. Et voilà, et là, je choisis de bannir une carte ou de prendre 2 pièces d'or. Je vais choisir d'aller me chercher 2 pièces d'or. Fin du tour, je n'ai pas réussi à accomplir la mission. On va donc retirer la première carte et rajouter 2 bruits. Il nous manque une carte. Cinq. Nous avons cette carte qui nous permet d'aller chercher 2 cartes. Quand... ouais, je m'en serais passé. OK. Je vais utiliser les 2 épées qui sont ici. On a juste un déplacement. Okay, je prends une des 2 épées, il m'en reste une, plus la potion, un total de 4. J'en ai utilisé une, les 3 autres vont aller vaincre celui-là, ce qui va me donner 5 pièces et le fait que j'ai complété ma quête. Donc, quête complétée.
je peux retirer 2. Voilà. Mon mouvement aussi est fait. Et il me reste un pouvoir d'achat de 5. Évidemment, je vais aller me chercher cette carte-là. Non, je vais plutôt aller me chercher cette carte-là qui va moins me rapporter un point en fin de partie. Prochain tour. Nous allons rajouter 4 bruits rouges. Et nous allons retirer la quatrième carte. 1, 2, 3, 4. Compléter le tout. Subir une attaque de dragon. Et avoir 5 de pouvoir d'achat, on a 2 tours pour y arriver. Ça devrait pas être si pire, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, nous avons généré 5 de pouvoir d'achat déjà en partant avec nos 3 mouvements. Donc, on peut cliquer sur la quest et nous avons plus 1. Donc, nous avons 6 de pouvoir d'achat pour ce tour-ci. On va se déplacer ici pour 2. Le dernier mouvement ne pourra pas être utilisé parce qu'on est bloqué ici. Et pour 6, on va aller chercher ce petit mage-là. Ce qui va mettre fin au tour. Fin du tour. Nous devons retirer la première carte et rajouter 3 de bruit. Donc, non seulement on a le danger qui est augmenté, donc ça va être 4, mais il y a également une attaque du dragon. Donc, nous allons tirer 4 cubes. 1, 2, 3. Et un quatrième. 2 noirs, 1 jaune, 1 rouge. Commence à être temps que la partie achève. Maintenant, la mission, c'est d'aller chercher la sixième carte. La sixième carte qui va demander 2 épées. 1, 2, 3. Pas assez de cartes. Nous mélangeons le tout. Ça fait 5. Est-ce qu'on a un compagnon? Pas de compagnon, mais on peut tirer 2 cartes. Ils sont pas assez bien brassés. 2 jetons de bruit supplémentaires. Nous avons nos 3 mouvements et 2 de pouvoir d'achat. Évidemment, nos mouvements vont nous permettre de sortir, mais juste avant, avec notre 2, ben, y a rien d'intéressant à aller chercher. Et nous allons mettre fin à la partie. Game over. Donc, on va faire le score. Ça dit d'entrer premièrement tout ce qu'on était capable de chercher comme point. Donc, nous avons réussi à sortir. Nous avons un 20 points. Nous avons été chercher les bananes pour 15 points. Les gold, nous en avons 7. Par la suite, nous avons pour 10 points en token. Et au niveau des cartes maintenant, qu'est-ce que nous avons dans nos cartes? Si on regarde ici, nous avons 1 point, 2, 3, 0, 4, 5 et 6. Donc 6 points d'extra ici. 6, OK.
Et ça me fait un total de 58. C'est pas super extra. Évidemment, j'aurais sans doute dû rester un peu plus longtemps afin d'accumuler davantage de points. Mais c'était une première partie de l'initiation solo de Clank. Merci pour votre visionnement.